quand commencera la révolution dans ta Bonjour maison. Philippe Forcioli. Bonjour. Vous allez fêter vos 40 ans de chanson le 31 mai à l'Estime. Sans tout nous dévoiler, que va-t-il se passer? Bien, ce sera une longue soirée. On commencera exceptionnellement à 19h30. En deux parties, en tract, où le public pourra boire un coup et grignoter quelque chose. Je vais commencer, moi, avec quelques chansons, quelques poèmes, et puis j'ai demandé à un ami journaliste de Marseille, Jacques Bonadier, de me donner un coup de main pour présenter au fur et à mesure tous mes invités. Sur scène, on va installer des petites tables avec des chaises autour pour que ceux qui ont donné une chanson ou un poème ou un tour de magie, puisqu'il y aura un magicien, pourront s'asseoir et continuer la soirée avec le public et avec les artistes qui viendront au fur et à mesure. C'est une réunion d'amis, en fait, puisque j'ai appelé ça la fête aux amis. Et puis on finira tous ensemble sur scène avec une chanson. Vous avez commencé votre carrière en 1977. En 40 ans, la société a beaucoup changé. Internet, réseaux sociaux, tout va très vite désormais. Où prenez-vous l'inspiration pour écrire aujourd'hui? Bon, en 40 ans, il n'y a pas que la société qui a changé. Moi aussi. Et ce que j'ai pu écrire quand j'avais 20 ans, 30 ans, évidemment, des petites choses se sont approfondies et d'autres thèmes sont venus auxquels je ne m'attendais pas, l'âge entre autres. Mais j'ai jamais été tellement un chanteur, je ne suis pas un chanteur sociologique ou politique, moi. J'ai toujours puisé mon inspiration dans mon cœur, dans ma vie. Comme René Guicadou le souligne, je ne suis en face que de mon amour. C'est là où je n'échappe à aucune balle. Mais les grands problèmes d'aujourd'hui, moi déjà en 1977, que ce soit dans le domaine de l'écologie ou de la guerre, de la violence, ou des grands problèmes d'aujourd'hui, je les avais déjà énoncés. J'avais réfléchi et écrit là-dessus. Donc je dirais que Internet et les réseaux sociaux n'ont pas changé grand-chose, il me semble, au monde que j'ai vécu. 40 ans de carrière, ce n'est pas rien. Et on espère que ce n'est pas fini. Avez-vous de nouveaux projets? Le plus gros projet, c'est que cette soirée du 31 mai se passe le mieux possible. Et comme j'ai l'intention de filmer cette soirée, donc le premier de mes projets, ce sera de réaliser une vidéo, comme on dit, qui sera disponible pour le public intéressé. L'intégralité du spectacle, mais aussi ce qui se passe avant les préparatifs et puis ce qui se passe après, ensuite, avec le public. Donc, c'est le projet, parce que je n'ai jamais réalisé ça, de faire un long film, en fait, sur cette soirée, sur mes 40 ans. Ensuite, oui, j'ai d'autres projets, de nouveaux disques, ou peut-être un petit livre. Mais bon, c'est pour 2019, on n'y est pas encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Tous mes ancêtres, tous mes parents, dans ce petit corps naître, je revoyais leur maison. Aujourd'hui en démolition, et les buildings qui essayaient.